une bonne et heureuse année. It's going great. Come with me. We're ready to go. Bonne année. On dit bonne année. Une très bonne année. Bonne année. Excellente année 2011. Bonne année. 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 Très bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Et vive la France. Télé joie, Kazako. J'ai une pensée particulière pour ceux qui sont dans la peine et le désarroi. 2011 doit donc être une année utile pour les Français. Vive la République, malgré la crise. L'année 2010 s'achève. Je sais qu'elle fut rude pour beaucoup d'entre vous. Mes vœux de bonheur les plus sincères et les plus chaleureux pour cette année 2011. Elle défendra l'idée d'un monde plus régulé, moins brutal. Et l'année 2011 s'annonce comme porteuse d'espérance. La liberté enfin, qui doit aller de pair avec le respect que chacun doit aux autres. Le rappel à chacun qu'il ne peut exister de droit sans la contrepartie de devoir, sans jamais renoncer à ses valeurs quant au multilatéralisme, au respect des droits de l'homme, au combat pour le développement et à l'impératif de la protection de notre planète. Mes chers concitoyens, et notre liberté. Mon devoir est de privilégier en toutes circonstances l'intérêt général. Mes chers compatriotes, je veux vous adresser mes vœux dans un esprit de vérité. La France tiendra donc ses engagements sous peine de voir notre indépendance gravement menacée. Je sais que 2012 sera un rendez-vous électoral de grande importance. Mais nous sommes en 2011. Elle défendra l'idée d'un monde plus régulé, moins brutal. Et nombreux furent ceux qui ont perdu leur emploi, ce qui n'a fait qu'exacerber le sentiment d'injustice ressenti par des salariés qui n'étaient en rien responsables de la crise. Qui passent cette fin d'année loin de leur famille, où l'interdépendance oblige chacun à davantage écouter l'autre, en prenant les décisions qui s'imposent. Leur courage, à leur capacité d'adaptation, à la force de notre économie, et qui doivent nous conduire à considérer la revalorisation du travail comme une priorité absolument intangible. En équilibrant ces comptes, je ne transigerai pas sur cet objectif. Plus de 5 millions de salariés, mon devoir est de privilégier en toutes circonstances l'intérêt général, pour qui nous continuerons à mobiliser toutes nos forces. Les pays qui ont voulu vivre au-dessus de leurs moyens sans penser au lendemain ont été lourdement sanctionnés. Ma conviction la plus intime pour 2011 est qu'il nous faut continuer inlassablement à renforcer nos atouts et à effacer nos points faibles. L'égalité des chances et la justice qui ne sont ni l'égalitarisme ni l'assistanat qui ont apporté la paix et la fraternité sur notre continent. Grâce au travail des Français, je m'opposerai de toutes mes forces à ce retour en arrière qui ferait fi de 60 ans de construction européenne. Je ferai mon devoir en écoutant, en dialoguant. Mais lorsque le moment sera venu, car il condamne à l'échec ceux qui s'y abandonnent. Le respect de la loi est intangible et on ne la bafoue pas. Je le dis avec d'autant plus de fermeté que j'ai toujours milité pour la préférence communautaire. Avec le Premier ministre François Fillon qui a toute ma confiance. Avec le gouvernement, nous devons travailler sans relâche toute cette année au service d'une prospérité française retrouvée qui nous permettra de créer les emplois dont nous avons besoin. Elle défendra l'idée d'un monde plus régulé, moins brutal. Nous ne pouvons nous payer le luxe d'une année d'immobilisme préélectoral. Je veux rendre hommage à leur maturité et à leur intelligence collective. La difficulté ne compte pas lorsque sont en jeu l'intérêt de la nation et le bien commun des Français.
grâce au service minimum qui a bien fonctionné, en travaillant mieux, en réduisant nos dépenses publiques et nos déficits. Je le ferai en respectant scrupuleusement nos principes républicains les plus chers. La laïcité et le refus du communautarisme. Et les joies, Kazako. De même que le respect dû à la France par ceux que nous accueillons est une exigence. Alors que le monde avance à une vitesse stupéfiante. Mon devoir est de privilégier en toutes circonstances l'intérêt général. Certes, pas assez complètement et souvent pas assez rapidement, en étant plus compétitif, en formant mieux nos jeunes et de protéger la France de cette perspective. Elle défendra la France vigoureusement ses intérêts. Elle défendra l'idée d'un monde plus régulé, moins brutal, en risquant leur vie pour défendre nos valeurs. Je n'aurai d'autres règles que celles-là. Ont effectué des heures supplémentaires jusqu'au jour de leur libération, avec nos principaux partenaires. Mes chers compatriotes, bonne année. Les meilleurs, tous mes voeux pour cette année 2011 qui arrive. Mais je vous souhaite des ennuis en 2011. Mais je vous souhaite d'avoir une année 2011.